Il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année. Traditions restent les mêmes. Nous sommes le lendemain de ma soirée d'anniversaire, qui était très fun. Du coup, ça veut dire qu'on est un peu fatigué. Parce que vous savez ce qu'on a fait à mon anniversaire ? La fête ! Comme vous le voyez à la tête de Maya, et encore plus à ma gueule. La gueule de bois est un peu présente. Et en lendemain de soirée, la seule et unique chose à faire, c'est d'aller au McDonald's. Quand tu vas au McDo un lendemain de soirée, t'as pas envie d'être habillée en robe de haute couture. T'as envie d'être moche, ça comme. Et si j'avais pas cette vidéo à faire, je serais vraiment sortie comme as. J'ai un t-shirt High School Musical, j'ai encore l'étiquette, j'ai dormi avec l'étiquette, Jennifer, 9,99€, un jogging je l'ai depuis vraiment que je suis née, donc yes. Alors voilà ma tenue du jour, j'ai pris un petit crop top orné et j'ai pris une petite jupe bien pratique pour aller au McDo, j'ai pris la jaune parce que je pense que je devrais m'assortir au logo tant qu'on y est, hein. Donc on va passer de ça qui aurait été ma tenue habituelle pour aller au McDo à ça. Attends, il y a un souci là. En fait, le souci c'est qu'avec la haute couture, tu peux pas t'habiller toute seule. Il faut une assistante. Bah, je crois que c'est ça en fait. Si tu peux mettre ça, c'est que t'as les moyens d'avoir l'assistante tous les jours. Je suis bénévole. Je crois que j'ai passé de 5, ça va tomber. Tu remplis avec des chaussettes. Comment tu vas faire sur la trottinette avec ça? Oh, on y va en trottinette? Bah, comment tu vas y aller? Tu vas habiller ça comme? Ouais. Ok. Vas-y, saute. Regardez. Comme une bouée. Lève les fesses. Lève les grosses fesses. Oh, j'adore. C'est très poussin. Oh, j'adore. Tu vas vraiment aller avec deux comme ça? Ouais. Alors, je vais prendre un Big Mac, s'il vous plaît. C'est bon, on a la trottinette. On va pouvoir aller au McDo. J'ai peur qu'en fait, la robe, elle se coince dans la roue. Que je casse la robe, que je meure, mais surtout que je casse la robe. Et je préfère mourir que casser la jupe, en fait. No mercy for you, no worries for you. That Game of Thrones. Parce que une trottinette dans le quartier. Oula, Léna, t'as un peu. Je suis en la loi, mais en haute couture. Ouais. Je sais pas pourquoi, je juste sens que c'est le jour de ma mort. No mercy for you, no worries for you. That Game of Thrones. Y'a un trou, y'a un trou. Aïe, aïe, aïe. Mercy on you, I kept the script. I roll the dice. Don't fall asleep, cause I'm working nice. Hey, you trying to shut me out of skin. Est-ce Marie? Tu te maries comme ça? Oui. Vous aimez bien ma robe de mariée? Vous êtes belle, oui. Oh, bah, c'est gentil. Attends, je suis belle. Big Mac ou Nuggets? Les deux. Le coca sans glaçons, parce que sinon, ça va m'énerver. Vous allez la voler, Nini? Vous en pensez quoi de la robe? Elle est grande. Ouais. Coucou, comment allez-vous en ce... je sais pas quelle journée. Je vais chez Miss Pierre Cross à la Maison Grise. Genre la team, ils sont trop cool avec moi. Ce sont des gens très gentils. Du coup, je vais y aller gaiement. En temps normal, ils seraient allés dans cette tenue avec un petit jean et puis hop, c'est parti. Sauf qu'aujourd'hui, je vais y aller avec... pas une des robes les plus impressionnantes de cette vidéo parce que là mon pote j'en ai en stock, elles sont énormes. Ça fait partie des robes casual de la vidéo, tu vois. Parfait, elle est belle. Qu'est-ce que c'est beau ça, on dirait Blair Waldorf. En plus là je vais aller voir une team de mecs qui ne sont tellement pas familiers avec le monde de la mode. Alors clairement c'est le cadet de leurs soucis, ils n'ont rien à foutre. Donc les réactions risquent d'être assez drôles parce qu'ils vont rien comprendre, tu vois. Genre si je vais au café voir Sullivan ou Bilal habillé comme ça, ils vont grave être en mode « Wouah, yes !» Pierre Croche, je sais pas ce qu'ils vont en penser. Je mets mes bottes, elles viennent de chez Naked. Trop jolie. Téma. Attends. Je suis dans le Uber, regardez. Il y a tellement de tulle. Je vais la gonfler. C'est moi. Merci. Ça va? Ça va, Léna? Toi, je t'adore toujours. C'est encore, vrai? Oui. Mais ça me fait plaisir, moi aussi, je t'adore. Attends. Oh.
Vous avez vu un petit peu? Ça, c'est technique. Est-ce que c'est beau ou pas? C'est épaulé. Qu'est-ce que c'est? Pas la fille de 22 ans, ça? Joyeux anniversaire, Léna. C'est pas la bonne mélodie. Joyeux anniversaire, Léna. Bravo. Il n'y a rien qui est en rythme. Non. Je fais une vidéo où je porte de la haute couture pendant une semaine. Ah, ça, c'est de la haute couture? Oui. Ah, ça, c'est une vidéo? Ça, c'est une vidéo, oui. D'accord. C'est des belles chaussures. De la haute couture, parce que c'est de la haute chaussure. Qui t'a fait? Et ça, c'est moi aussi, je fais la même vidéo que toi, en haute couture pendant une semaine. Ah, j'adore! Ouais. C'est iconique ou pas? C'est iconique. C'est iconique? Regarde. Je suis carré. Carré. Ah, je suis en train de me préparer. Il y a mon bronzer qui vient de tomber. Si je le ramasse, que je l'ouvre et qu'il est cassé. Ah, c'est bon. Hop, je suis super moche. Pas du tout refaire mon brushing, j'ai trop la flemme. Je vais y aller comme as, c'est pas grave. Netflix, ils voudront jamais travailler avec moi. Parce que oui, je m'en vais à une avant-première Netflix. On va aller voir la nouvelle série originale qui s'appelle Mortel. On va voir le premier épisode et puis une petite soirée. Et on a notre pote Nemo. Et on a notre pote Nemo qui joue dedans. Donc c'est comme on pourrait le dire, iconique. Donc on va aller soutenir Nemo, on va aller voir la nouvelle série. Sauf que Magix, qu'est-ce qui va se passer? Bah je vais aller en haute couture, je vais pas y aller avec mon truc de Père Noël. Et Netflix, ils sont plutôt chill, tu vois. Genre les avant-premières Disney, tu peux te faire en mode reçois de ouf et tout parce qu'ils sont très... C'est très fancy chez Disney. Alors que Netflix, c'est la famille, quoi. C'est on chill sur le canapé. Bon, en réalité, être overdressed, c'est pas quelque chose qui me dérange. Par contre, regarder une série dans une mini-robe à sequins plumes qui te gratte et qui te démange, ça me saoule. Parce que comme ça, il est tard dans la journée et moi, après 19h, je supporte plus porter de jeans, de quoi que ce soit. Genre, faut que je rentre dans des vêtements qui ressemblent à ça, tu vois. Genre, faut pas qu'on me touche trop. Là, la robe, elle me touche, mon pote. C'est trop grave. Je suis chaude, là, ça commence à me courir sur le haricot. Voilà la robe du jour. Bon, j'avoue, je suis un peu excitée. Je suis un peu fan, en fait, de porter des robes comme ça tous les jours. Être Blair Waldorf, ça va être tellement fun. Bon, bref, du coup, là, en fait, je me dis juste que je vais avoir froid. C'est chiant et c'est bête. Je vais vous expliquer ma stratégie. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le gros manteau, ça, comme ça, quand j'arrive au cinéma. Malinoise, la petite, le manteau, je le retourne. Et je l'installe telle une couverture sur mes cuisses qui seront frigorifiées. Puisque là, on y va en trottinette avec Maya. Il n'y a pas de trottinette dans mon quartier. Et ça, c'est très énervant. Du coup, avec Maya, notre autre stratégie pour qu'on puisse aller à l'événement, c'est... Elle prend une trottinette qui est en bas de chez elle. Qu'elle me rejoigne pendant que moi, je marche. Elle, en trottinette, vient vers mon sens. Et après, on sera à deux sur la trottinette. Ne le faites pas, c'est illégal. C'est pas bien, je sais. Mais... Je suis une thug, I guess. Mais ne soyez pas comme moi parce que je suis bête. Autre point à préciser, nous sommes en retard. Quitte à être en retard, autant passer au Starbucks avant. Si, taxi. Elle est là, ça scintille de mille feux, mes meufs. La boule de disco. Mes touches, genre c'est tellement pas confortable. La tulle et les bêtes qui sont sous mon aisselle, elles me blessent. Mais ça, genre, ta main, ça rappe. Oula. Il est malade. Excuse-moi, il faut un bec plus sûr pour fermer ce manteau ou quoi? On va au Starbucks? Ouais. Ah, quel plaisir! Est-ce que je peux vous prendre, s'il vous plaît, un réfraîchisseur citron vert? En 26 sans eau. Un peu bouché. Une belle teinte, hein? Ouais. Un grand cru sur le réfraîchisseur, monsieur. Vous avez peut-être ça? Oui. Au revoir! Ok, on vient d'arriver à l'événement. Donc, j'ai mis mon manteau vestiaire. Donc, tout le monde sait que je suis comme ça, là c'est plus caché. Attendez, je fais quoi comme stratégie? Est-ce que genre j'assume en mode bah ouais, c'est ma tenue, il y a quoi? Non. Ou alors en mode oui, je suis en train de filmer une vidéo. Non, t'assumes. J'assume, d'accord. André Bilal. Ça commence avec une porte. Il y a plein de télé. Et à la suite de ça, il y a Nemo. Qu'il est beau. C'est en fait son mariage. C'est un prank. C'est le bar, soit ma partie préférée. À deux doigts de leur demander de rajouter un petit remontant dans mon réfraîchat. Il a tellement menti, elle fait oui. T'aimeras? Mais t'es méchant. Oh, bah alors, je dis bonjour. Tu vas me faire la biche, j'ai cassé mes lunettes hier, c'est à ton anniversaire. C'est vrai. Que je fasse la démonstration en plein live. Oui. Oh merde, mais du scratch. Oh, oh mon dieu, le verre. Regarde.
passé une super soirée, le truc de Netflix était déclassé. Anywho, anyhow, et on a un cadeau. Une poupée vaudou. Et on peut mettre une photo. La robe, elle est en train de m'arracher les aisselles. Les paillettes, des petites fleurs, tu vois. Du coup, j'ai une pétale, elle est... Genre, c'est des bonnes fleurs, genre, c'est pas des fleurs que quand tu les touches, elles se plient. Ah non, non, elle est dure. Ah, oh, Thomas. Aïe, aïe, c'est rouge. C'est rouge, ouais, t'as un trait. Voilà, Maya et moi, on va filmer une vidéo pour le calendrier de l'Avent. À demain pour un nouveau look en haute couture. Nous sommes jeudi et aujourd'hui, mon rendez-vous de la journée est basé sur les dents. Car je vais chez le dentiste avec Maya, on va aller faire un blanchiment dentaire pour la première fois. Donc on part déjà sur une petite vidéo crash test, mais du coup sur une vidéo où je vais prendre la robe haute couture. Là, c'est la plus chiante de toutes, qu'on se le dise, mais c'est la plus belle. Mais la plus relou, elle est là derrière moi. J'en ai une pour Maya. Maya fait un peu la manie depuis le début de la semaine où genre elle rigole, elle me filme, etc. Sauf que à un moment c'est bon, tu rigoles, mais tu vas faire la même chose. Donc. Du coup, une petite robe pour Maya et la rose pour moi. Et voilà la robe du jour, mesdames et messieurs. Elle n'est pas des moindres. Le choc. Elle m'a dit mais non, Léna, tu vas pas sortir comme ça. Non. Tu vas pas la traîner partout dans Paris. Mais là, même si je veux la traîner, je peux pas la traîner. Elle est tellement longue que je peux pas la porter avec mes deux mains. Il faut au moins deux personnes pour les tenir comme ça. Je te jure. Encore son jean, parce qu'elle sait pas que la petite dame là elle va aller mettre sa petite jupe, enfin petite jupe, la longue jupe. J'ai tellement tulle. Vous avez pas mis de la robe sur le volant, monsieur? On est dans la voiture. Moi je suis en courant. Elle est en train je suis mort de rire. Elle est en train de se changer et puis on va arriver chez le dentiste. Et en fait, le dentiste n'est vraiment pas au courant. Mais je tire là. Et je vais perdre toutes mes étoiles sur Uber à cause de toi. On est en train d'arriver chez le dentiste. Elle n'est pas prête. T'as trouvé l'entrée? Je te vois même pas, Maya. On est désolé, monsieur. Hein. Il y a un petit qui est sorti. C'est pas vrai. Ah. Putain, j'ai vu flou. Monsieur, faut pas jouer avec nous comme ça. Au grec, Maya, faut te faire comme... Serpent-ventre, comme ici. Rentre ton ventre. Vas-y, je peux pas, ça fait. Attache. Vas-y. Léna, voilà, attache-le. Vas-y, attends. Ça, c'est 34. Bonsoir. Bonsoir. Il y a un message, là. Comment ça? Un beurre. Et c'est pourquoi? Non, bah, c'est pour mon soin dentaire. Vous aimez bien ma tenue? Bah c'est pas mal, mais pour aller chez le dentiste c'est un peu compliqué. Mais pas du tout. Parce que là il voit pas que par exemple avec la pédale je peux pas trop utiliser. Par contre je pense qu'il vous manque un accessoire ultime. C'est ça. Waouh, Fendi on fait les mêmes.